Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, je viens te donner 5 choses que les femmes détestent chez leurs gars dans les relations, mais qu'elles n'osent pas dire. Et le fait de prendre conscience de ces choses-là te permettront non seulement de t'améliorer, mais surtout de sauver une relation qui en vaut peut-être la peine. Première des choses, frérot, c'est le manque d'hygiène et de style. Vous devez comprendre que lorsqu'une femme se fait belle pour toi, lorsqu'une femme se met bien, elle s'habille, quand tu la vois, tu la désires. Pareil avec toi, frérot. Ta meuf voudrait que lorsqu'elle te voit, qu'elle te désire aussi physiquement. Mais malheureusement, il y a des hommes qui, au lieu de s'habiller, se couvrent. C'est-à-dire, ils sont fades à tous les coups. Jamais tu vas voir le gars stylé. Il est toujours habillé comme si le vêtement ne lui servait qu'à couvrir son intimité. C'est tout. Et après, ces gars sont surpris que lorsqu'ils invitent leur copine à sortir, elle ne fait que tourner, ou bien c'est pas la nuit, elle ne sort pas. C'est parce qu'elle a honte, elle est gênée, elle n'est pas à l'aise avec toi. Car tu n'es pas soi, tu n'es pas stylé. C'est triste de voir un homme en 2024 qui n'a aucun style vestimentaire. Après, tu vas te plaindre que ta copine te trompe. Mais lorsque le petit gars du coin, très stylé, va la voir, elle va commencer à s'intéresser à son style, s'intéresser à lui. Ensuite, te zapper, tu vas te plaindre. Alors que tu peux améliorer ça. Côté hygiène, les frérots, moi je vous le dis, la saleté est un tue-l'amour, même au lit, lorsque tu dégages des odeurs. Parce que malheureusement, la conséquence de la saleté corporelle, ce sont les odeurs. Lorsque tu dégages des odeurs nauséabondes, il faut t'attendre à ce que les femmes t'évitent et que ta copine te supporte, peut-être parce que tu donnes beaucoup d'argent. Mais à part ça, frère, elle sera obligée de te tromper. Parce que lorsque tu devras faire l'amour avec elle, tiens-toi tranquille. Si elle ressent des odeurs, cela va bloquer son cerveau et ça va même bloquer ses idées. Elle ne pourra pas s'exprimer convenablement. C'est pareil pour nous les gars. Lorsque tu vas dans la chambre avec une fille qui a une forte odeur, frérot, tu as juste envie de finir et de quitter, puis basta. Pourquoi? Parce que cette odeur te dérange. Alors les gars, apprenez à être propre et surtout stylé. Aujourd'hui, être stylé ne veut pas forcément dire s'habiller en robe ou bien habillement compliqué. Non. Tu adoptes un style qui va avec toi et tu t'habilles proprement et classe. C'est tout. That's it. La deuxième chose que les That's femmes ont rush chez les hommes, mais qu'elles ne peuvent pas te dire parce que peut-être elles peuvent être frustrées, c'est ton manque d'initiative, frère. Lorsque un gars manque d'initiative, le résultat sera simplement l'ennui total dans la relation. Tu vois, un gars qui ne peut pas prendre l'initiative d'inviter sa copine à sortir faire une activité sans même lui demander. C'est-à-dire, tu sens que bébé, samedi, on sort. Elle est là, elle ne sait pas où elle va aller. C'est ça que les femmes recherchent. Mais lorsque tu veux faire un truc, tu es là pour demander, est-ce que... Généralement, les hommes qui manquent d'initiative sont des hommes omelettes, forcément. Et surtout des omelettes beignées, oui. C'est-à-dire les gars qui ne veulent pas prendre le risque de faire pour ne pas plaire, qui ne veulent pas contrarier la petite. Mais au final, la femme a besoin d'un homme qui prend des initiatives pour elle. C'est ça aussi qui caractérise ta masculinité. Alors apprends à prendre des initiatives dans ta relation, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le plus important, c'est de prendre les initiatives. Ose, il faut apprendre à cultiver l'audace. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque ton audace mis dans les problèmes, c'est cette même audace qui va te faire sortir de là. Alors les gars, prenez des initiatives, soyez des leaders, arrêtez d'agir de façon moutonnière dans vos relations. Après, ils vont vous tromper, après, ils vont vous quitter, vous allez vous plaindre partout. C'est facile de se plaindre, mais faites ce qu'il faut faire pour améliorer, là, on ne voit plus personne. La troisième chose que les femmes n'aiment pas chez leurs gars, mais qu'elles n'osent pas dire, c'est le manque d'autorité et le manque de charisme. Où sont mes lunettes? T'as mis mes lunettes viriles pour plus de charisme. Voilà. Frère, si tu es dans une relation et que tu n'as pas de caractère, qu'à chaque fois que tu sors avec ta copine, elle ressent en toi une certaine aura d'insécurité, frérot, elle sera gênée. Comprenez que les femmes adorent être avec un homme qui assure sa sécurité. C'est-à-dire, elle est à l'aise avec toi parce qu'elle sait que oui, ce gars, c'est mon devant derrière. Qu'elle marche avec toi, elle est fière. Parce que tu dégages une aura masculine. Je vous le dis, aujourd'hui, la masculinité se meurt. C'est de moins en moins présent dans la vie des hommes.
Les hommes aujourd'hui sont plus féminins que masculins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit en roubis de temps en temps. Et c'est le désordre. Oh les gars, virilisez-vous. C'est important. La masculinité, c'est tout ce qui définit un homme. Malheureusement, aujourd'hui, on a réussi à faire croire à certains omelettes que la masculinité est toxique. Mais tenez-vous tranquille. Sans masculinité, ce monde quoi ça perd. Regardez les résultats. Plus la masculinité se fait rare, plus le désordre s'installe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. De toutes les façons, j'ai parlé. Si tu ne veux pas être charismatique, tu peux avoir du caractère. Sache que tu seras toujours dans des relations volatiles. Les relations où les filles viendront en attendant le vrai gars. Oui, tu seras en arrêt de bus. Et tu vas te plaindre. Oh, Kélis, les femmes sont mauvaises. Les femmes... Avant de te plaindre, il faut d'abord voir que ce n'est pas toi le problème. Il y a plusieurs hommes ici là qui m'écrivent. Il y a plusieurs hommes qui se plaignent alors que le principal problème, c'est eux d'abord. Et malheureusement, quand tu vas leur dire ça, ils ne vont pas comprendre. Ils vont seulement accuser les femmes. Les femmes aujourd'hui sont devenues... Je vais vous dire un truc qui est vrai. Les femmes sont ce qu'elles sont aujourd'hui à cause de ce que les hommes, eux, sont devenus. Est-ce que vous comprenez? Si la femme est devenue frivole et libertine, c'est parce que l'homme est devenu faible et féminin. Aussi simple que ça. Donc, si nous voulons que les femmes se rangent, améliorons-nous. Redéveloppons notre masculinité. C'est la seule chose qui peut nous sauver. En fait, c'est le seul point faible de la femme. La femme baisse la tête devant la masculinité uniquement. Si toi, tu es dépourvu de masculinité, frérot, la femme va t'écraser. Et ce sera tant pis pour toi. Quatrième chose que les femmes détestent chez leurs gars, mais qu'elles n'osent pas dire, sont les gars crispés. Les gars qui manquent d'humour. Comprenez un truc. Une femme est à l'aise avec un gars qui lui fait constamment rire. Ok? Faire rire quelqu'un dégage des hormones de joie et de bonheur. C'est pour ça que tout le monde aime rire. Mais toi, tu es là avec ton humour à deux balles. Tu ne fais même pas rire une chèvre. Frérot, et après, tu t'étonnes que tes relations ne durent pas. Une femme ne peut pas rester dans une relation où elle ne rit pas constamment. Parce que si elle ne rit pas constamment, alors elle n'est pas épanouie. Si elle n'est pas épanouie, frérot, elle va gagner temps. Mais pour une femme, pour qu'elle gagne temps, elle doit d'abord trouver un autre. Ça veut dire qu'elle va utiliser la relation là et après te jeter comme une vieille chaussette. Et une fois de plus, tu vas te plaindre. Les gars, l'humour peut être naturel, mais l'humour s'apprend aussi. Alors prenez les coups, ne soyez pas timide, n'ayez pas honte, apprenez à faire rire. Je vous assure que si tu es un gars qui a la facilité à faire rire, à partager la bonne humeur, tu vas mettre facilement les femmes dans ton lit. En fait, je ne vous apprends rien. En séduction, l'humour est une arme de destruction massive pour celui qui sait s'en servir. Tenez-vous tranquille, une femme qui rit est à moitié dans ton lit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et en cinquième position, il y a la jalousie excessive. Moi, je le dis toujours. La jalousie est peut-être une preuve d'amour pour une femme. Mais c'est certainement une preuve de faiblesse pour un homme. Lorsqu'un homme affiche sa jalousie, c'est un faible. Et aucune femme n'aime un homme qui est excessivement jaloux. Parce que l'excès de jalousie va te pousser à la possession. Et aucune femme n'aime se sentir possédée. La relation devient automatiquement toxique. Et pourquoi tu es jaloux? Parce que tu manques cruellement de confiance en toi d'abord. Avant de manquer maintenant de confiance en ta chérie. Parce que tu te dis qu'il y a un homme qui est assez développé que toi pour plaire à ta copine. Donc tu n'as même pas confiance que ta copine a fait son choix. En réalité, les hommes qui sont excessivement jaloux, si vous regardez en profondeur, c'est eux qui ont demandé la relation. Ça veut dire que la femme ne les a pas choisis. Ils ont supplié, ils ont déposé le dossier. Alors, ils savent inconsciemment que cette fille, elle est avec eux, mais elle cherche le vrai gars chez qui elle va aller déposer son dossier et il va rejeter. Il va venir encore pleurer chez lui. Frère, pourquoi tu es jaloux? Si ta copine a le cran de courir le risque de te perdre, en fréquentant un autre gars ou bien en flirtant avec un autre gars devant toi, ça veut dire qu'elle n'en vaut pas la peine, frère. La jalousie, c'est une perte de temps pour toi, monsieur. C'est une perte de temps. N'affiche pas ta frustration, frère. Cache. La jalousie, c'est comme les pleurs. Ne l'affiche jamais devant les gens. Quand un homme vient de pleurer, il part sous la douche. Quand tu es jaloux et que tu veux... Tu pars dans un coin où tu es seul. Tu cries, tu fais ce que tu veux là-bas. Mais après, tu sais comment gérer ta copine pour la punir et la sanctionner. C'est si simple que ça. Bon, les gars, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Abonnez-vous,
Surtout, rejoignez-nous dans le canal Telegram. C'est là-bas que se passent les directs le dimanche à 22h. Je ne fais plus les directs sur les réseaux, seulement dans le canal. Ceux qui y seront profiteront. Peace out.